Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est unboxing avec la boutique Hyundai Saving. Aujourd'hui je vais vous présenter deux articles, un diamond painting et une broderie. Mais avant, je veux vous parler de l'événement qu'il y a en ce moment sur la boutique Hyundai Saving. Donc c'est le Black Friday. Donc il va y avoir plusieurs activités pour cette période. Donc je vais tout vous expliquer avant de vous présenter les articles. En premier, si vous achetez 4 articles, vous en obtenez un gratuit. Donc vous en mettez 5 dans votre panier. Si vous en achetez 8, vous en avez 2 gratuits. Donc vous mettrez 10 articles dans votre panier. 12, 3 gratuits, vous en mettez 15 dans votre panier. 20, vous en avez 5 gratuits, donc vous pouvez mettre 25 produits dans votre panier. Deuxième avantage, voilà, vous avez le droit à 12% de réduction sur tout le site avec le code de réduction 24 Black Friday 12. Donc ça, moi, je vais vous le rajouter. Tout ça, je vous le rajoute en barre d'infos, n'ayez crainte. Troisième avantage, chaque commande comprend un article mystère gratuit, tel que des outils de bricolage, une peinture diamond painting ou un point de croix. Ajoutez une note cadeau gratuit à votre commande. Ensuite, dépensez plus de 200 $ pour recevoir un cadeau mystère haut de gamme, comme un kit de peinture diamant de grande taille ou point de croix de grande taille. Ajoutez une note à votre commande marquée cadeau de luxe. Petit rappel, vous pouvez profiter des activités ci-dessus en même temps. Donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est cumulable. Et d'autres surprises vous attendent. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les articles que moi, j'ai choisis. Alors, on va commencer par le DP. Alors, c'est un DP 30-40. Hop. Petit toolkit, hein. Ça c'est comme d'habitude. Je vous montre tout de suite le dessin. Voilà, alors, attendez. Hop. Voilà. Alors, je vous montre de près. Ce sera des strass et des spéciaux qui seront à coller dessus. Vous voyez ? Donc, il va y avoir des grands, des petits, des, voilà. Et c'est pas en ligne, hein, c'est un peu mélangé, voilà. Mais là, c'est pour une fois, c'est un complet. Donc, il va y avoir du strass de haut en bas, de gauche à droite. Il y en aura partout, 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 partout. Voilà. Et du coup, on a beaucoup de strass. Désolée pour le bruit. Voilà. Alors, j'espère que je vais réussir à bien tout vous montrer. Voilà, on a des grands yeux de chat. Vous voyez, je vous mets mon doigt à côté. Là, des tout petits, des moyens, des demi-perles blanches. Encore des autres. Non, là, c'est des gouttes d'eau. Voilà, dorées. Encore ici. Encore ici. Demi perles bleues, là elles sont un peu plus petites, là encore plus petites, des noires,
des vertes, des un peu plus grosses oranges et des plus petites oranges. Mais c'est pas fini. Là, on a plusieurs paquets de bleu, comme ça. Voilà, 1, 2, 3. Là, on a des bleus, mais un peu plus gros. Des bleus encore plus gros. Et on a des petits strass orange. Voilà, donc là, il y a de quoi faire, hein, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de strass. Je crois que c'est la première fois que j'en montre un. Qui a autant de strass. Alors, à la base, je croyais que ça allait être des perles de cristal. Mais non, je me suis trompée. C'est pas grave. Hop. Alors, on va bien tout remettre. Enfin, j'essaye. Attendez. Voilà. Le dernier article, donc le deuxième, c'est une broderie. Hop. Alors, le dessin, je l'ai. Alors, on a... Ah, bah tu... Le petit bouchon est ouvert. Voilà. J'ai un petit toolkit. Comme ceci, alors avec l'anneau en métal, le petit enfil aiguille, et les aiguilles sont dans, vous voyez, dans un petit flacon. Alors, je vais vous montrer, c'est la première fois ça, j'ai jamais eu comme ça. Voilà, les aiguilles sont dans un petit flacon en plastique, c'est bien. Hop. Alors, ici, ce sera un point compté. C'est une sorcière comme ceci. Bon, c'est plus Halloween, hein, mais je l'ai trouvé trop choupinou, cette petite sorcière. Donc, c'est un 14 CT, oui, et c'est un 40-40. Alors, niveau patron, ça va, il n'est pas trop petit. Voilà. Alors, le fond va se broder, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Si vous n'avez pas envie de broder le fond, vous ne le brodez pas. Il se brode en 38-65. Sinon, est-ce que c'est confetti? Non, pas trop. Les pattes de l'araignée, elles sont un petit peu confetties. Mais sinon, ça va. On a 38 couleurs. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. On a une toile, donc, en 14 CT. Donc, qui n'est pas imprimée, mais elle est juste imprimée. Là pour les lignes, voilà, 10, 20, 30, etc. Ici on va avoir la légende, voilà, on retrouve le petit dessin ici en haut, voilà. Bon, elle est un petit peu rêche, mais voilà, ça devrait aller. Donc là, c'est une 40-40, mais je pense... Alors, j'ai pas mon mètre avec moi, mais je pense qu'une fois fini, ça fera plus du 35 sur 35. Et bien sûr, on a les fils. Alors, c'est pas la façon que je préfère au niveau présentation des fils. Alors, je cherche le bout déjà. Là. Ouais, c'est pas la présentation que je préfère le plus. Parce que même pour vous les présenter, c'est un peu plus compliqué. Voilà, vous voyez. On est
étiquette individuelle. Mais donc voilà. Donc je ne vais pas enlever l'élastique. Hein, mais je vais essayer de vous montrer les couleurs au mieux. Voilà. Des bleus, des roses, des violets. Bon, là, c'est le 3865. On a des oranges, du bleu marine. Voilà. Du jaune. Du rouge. Bon, les couleurs sont très belles. Mais c'est vrai que cette façon-là de présenter les fils, c'est pas tip-top, je trouve. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Donc, cette petite sorcière que je vous remontre, voilà. Elle est au prix de... est-ce que je vous ai même pas donné le prix du DP. Alors, le DP, je reviens dessus, il est à 8,55 $. Quand je ferai le montage de la vidéo, je vous aurai certainement mis déjà le prix à l'écran. Et pour la broderie, alors c'est une 14CT 40 sur 40 en point compté. Elle est au prix de 11,82 $. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu. N'hésitez pas à participer au concours de la boutique pour essayer de gagner une carte cadeau. C'est toujours, toujours ça de prix hein, quand on gagne. Moi, je remercie beaucoup la boutique On Day Saving. Et en attendant, je vais vous remercier aussi d'être là, de regarder la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre plein de petits pouces. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.